thank you Vous découvrez les joies de la fraîcheur du matin. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 399, et oui, faites partie de ces gens qui découvrent euh, par un petit peu la force des choses, hein, la joie de se lever plus tôt le matin, parce que bah, vous avez peut-être décidé d'aller courir, peut-être d'essayer de profiter de la fraîcheur, d'ouvrir les fenêtres, etc. avec cette canicule, avec cette chaleur intense, et vous dites bah tiens, c'est pas mal, je vais essayer de vivre un peu plus tôt le matin. Et vous découvrez que finalement bah, un nouveau monde s'offre à vous. Et ben, bah, bienvenue dans ce monde, hein, c'est je disais un petit peu en plaisant enfin je me disais à moi-même surtout, que finalement peut-être que la meilleure pub pour le Miracle Morning, et eh ben finalement c'est la canicule que ça nous oblige à revoir nos manières de fonctionner pour profiter un peu plus du frais, etc. Et peut-être un petit peu adapter notre emploi du temps. Mais je voulais pas vous parler de ça aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d de quelque chose qui me fait euh, qui me fait réagir, parce que l'autre jour j'ai vu une story, une entrepreneuse, qui annonçait, alors j'ai vu ça le 22 juin, avoir programmé tout son mois de juillet sur Instagram. Oui, 30 jours de publication programmée dès le 22 juin. Et je me suis dit, mais paye ta spontanéité, quoi. <laughs> voilà. Euh, pas de place aux événements, aux nouveautés, pas de place à l'émotion. Du moment présent, euh, non, euh, tout était programmé. Voilà, le 22 juin, c'est déjà ce que le 30 juillet elle va, elle va publier. Enfin, même non, c'était même plus que elle le sait, c'est-à-dire que c'était même déjà programmé. Donc, elle avait choisi 30 photos, 30 textes, ses euh, hashtags, etc. Une après-midi euh, de samedi consacrée entièrement à ça. Et sur le coup, je me suis dit, mais mais pourquoi ils font ça Alors, je sais pourquoi des freelances le font hein, et surtout conseillent à leurs clients de le faire. Mais personnellement, je peux pas trop le valider. En fait, c'est un conseil que je ne peux pas donner moi parce que je trouve que c'est euh, finalement une pratique, euh, si je comprends le fondement, je la trouve euh, pas très spontanée et, et je trouve qu'elle nous fait perdre du sens. En fait, je suis contre la robotisation du contenu, parce que finalement, euh, faire 30 images comme ça le même jour pour prévoir un mois qui n'a même pas commencé, finalement, c'est quoi C'est devenir un robot du contenu, c'est-à-dire que j'applique très bêtement, je dis, bah... Le lundi je publie tel truc, le mardi je publie tel truc et je, je choisis mes photos et je fais mon texte, etc. Donc comme un robot, comme une machine. Et je pense d'ailleurs qu'un jour hein, des machines pourront le faire et bien mieux que nous tout simplement parce qu'ils iront, auront, taper dans des, dans des dictionnaires de mots, etc. Pour trouver les bons mots, les bonnes expressions, etc. Mais quelque part ça, ça manque un petit peu d'humain tout ça. Hein. Vraiment ça manque un petit peu du moins d'humain. Et finalement ça conduit à tout ce que nous détestons sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avoir des comptes qui se ressemblent tous, avoir un compte ou toutes les mêmes photos. Alors bien sûr ça fait des belles grilles toutes les photos. Sont parfaites, etc. Mais on a quand même l'impression que quelque part, ils nous parleraient le 1er janvier ou le 30 juin, et quelque part, ou, enfin, le 2 janvier et le 30 juin, ils nous diraient la même chose. Mais quasiment la même chose. Hein. Ils vont juste remplacer euh, à un moment, ils vont mettre une glace plutôt que mettre une bûche de Noël. Mais quelque part, c'est à peu près la même chose. Alors, pourquoi ils font ça ben, Vraiment, pour gagner du temps. On est dans ce qu'on appelle le batch à un pur et dur. C'est-à-dire qu'en fait, on sérialise, on fait une série de choses d'un seul coup. Je me concentre forcément, fortement sur une tâche unique et je ne fais que ça. Je fais donc 30 photos pour Instagram. Je fais les textes et je programme. Enfin, je fais 30 photos. Dans ce cas-là, en fait, alors, oui, je fais 30 photos. Alors, en plus, c'est marrant parce que je pense que si c'est des photos de soi, eh ben, il faut changer de position. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5 ou 6 photos avec un t-shirt, 5 ou 6 photos dans un autre endroit, etc. Donc, il y a du temps. C'est une vraie organisation. Attention, hein, c'est que ça prend vraiment du temps de le faire. Donc, ça n'enlève pas le, la, la qualité du travail etc hein, attention je dis juste que je trouve quand même que ça manque au final euh, un peu de spontanéité mais euh pourquoi le faire? Ben, tout simplement, pour essayer de gagner du temps, hein. Je n'ai pas à me connecter, je n'ai plus à m'en occuper. Je peux même partir en vacances et personne ne se rend compte que je suis en vacances parce que tout est programmé, voilà, au fur et à mesure des, des jours et des semaines. Euh, c'est publié automatiquement quelle que soit l'heure euh, et mon agenda, hein. C'est-à-dire que si j'ai décidé que la meilleure heure pour programmer, que les statistiques de Instagram, par exemple, me disaient que la meilleure heure pour programmer, c'est le matin à euh, 6h30 et que moi je veux me lever à 9h, euh, un dimanche matin, eh ben, je sais qu'en me levant à 9h, ma programmation aura été faite, ça aurait été programmé, j'ai pas à m'en occuper. Et pour un freelance aussi, c'est très intéressant car c'est du gain de temps, il n'a pas euh, besoin de se mettre sur les comptes de ses clients, il n'a pas besoin de se connecter en permanence dessus, de jongler entre les outils. Euh, c'est son intérêt à lui de travailler ainsi parce qu'il gagne du temps et euh, un freelance, hein, il vend du temps contre de l'argent. Donc oui, 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 je, je sais pourquoi ils font ça. Pour une entreprise ou un entrepreneur, c'est la même chose. Hein. Imaginez vous consacrer une demi-journée à faire votre contenu pour le mois entier, vous... En, vous vous ne vous en occupez plus, vous vous connectez pas, etc. Enfin, ou vous, juste pour surveiller ce qui se passe derrière. Euh, vraiment, vraiment, c'est, oui, vous pouvez gagner du temps. Vraiment, vous pouvez gagner du temps. Mais je trouve qu'il y a un piège important, c'est que tout devient stéréotypé en fait, et ça devient totalement déconnecté de son quotidien, de ses émotions, de ce que l'on fait réellement, de qui l'on est. Euh, J'ai même vu d'ailleurs des gens qui a programmé des choses. Où on a l'impression que, on a l'impression qu'ils avaient changé d'emploi du temps. Quelqu'un qui nous dit qu'il est en vacances et le message quand elle revient, ben, c'est, euh, on a l'impression que finalement. Euh, le, le message qu'elle avait programmé c'était comme si ses vacances avaient été décalées d'une semaine au dernier moment, vous voyez que la programmation n'avait pas été tout à fait comme il faut. Mais c'est l'impression que ça donne, hein c'est peut-être pas le cas, mais c'est l'impression que ça donne, attention. Alors si je comprends l'intérêt, mais que je trouve des limites, voilà moi comment je, je vois les choses. Oui, vous devez faire un calendrier, vous devez travailler avec un calendrier. Mais pour moi, je trouve qu'un calendrier sur un mois, c'est bien. Hein. Ça, un calendrier vous permet d'anticiper, de repérer des grandes dates, des événements importants. Vous pouvez anticiper les contenus à écrire, à photographier, à filmer. Pour pouvoir publier ce jour-là pour être prêt pour ne pas être dans le rush ou ne ou tout simplement ne pas être pris de court. Hein, voilà vraiment euh, pouvoir le faire tranquillement, vraiment sereinement. Euh, prenons un exemple euh, le 14 juillet, hein, voilà, ça arrive dans pas très longtemps. Vous êtes photographe, vous avez des astuces pour faire des photos de faire C'est le contenu type hein, pour ce jour-là. Pour des questions de SEO, bah, votre contenu sur votre blog devait être prêt bien à l'avance, hein, même publié très à l'avance et même déjà être sur votre site internet. Si vous faites un podcast dessus, bah, il devrait être publié à l'avance quelques jours avant pour que les gens aient le de l'écouter, de se préparer, de faire des tests, etc. Préparer leur matériel aussi. Vous savez aussi que vous allez partager vos conseils sur Instagram et là vous dites bah bon, je vais le faire la veille peut-être ou le jour même et le matin parce que vous devez la publier par exemple tôt le matin pour que votre audience puisse la lire et pouvoir l'utiliser le soir. Donc il faut anticiper la photo, la rechercher dans vos archives, préparer le texte, etc. Donc oui, vous pouvez, vous devez tout préparer à l'avance. Vous pouvez même le programmer très longtemps à l'avance, hein, enfin très longtemps, longtemps à l'avance, parce que vous savez que le 14 juillet reste le 14 juillet, que ce jour-là, bah, il y a toujours forcément les mêmes événements, c'est les feux d'artifice, c'est le bal des pompiers, c'est des choses comme ça. Et donc là, oui, ça marche parce que le calendrier dans ce cas-là, c'est un cadre qui vous rassure si vous souhaitez publier de manière régulière le calendrier vous offre un cadre et contrairement à l'idée reçue hein, le cadre vous donne de la liberté parce que une fois que vous avez un cadre à l'intérieur de ce cadre vous avez de la liberté euh, vous pouvez par exemple déterminer qu'un jour correspond à un sujet en particulier euh, par exemple moi sur Instagram le mercredi je parle de ma vie de papa de cuisine le samedi sur le podcast vous savez que le mercredi je vous parle de livres que le vendredi c'est plutôt actualité époque ou réaction à ce que je vois autour de moi mais tout cela en fait vous fait gagner du temps car ça vous aide dans votre travail ça vous guide ça vous évite de recalculer en permanence ce que vous allez publier qu'est-ce que je vais pouvoir publier, trouver des idées, vous avez déjà un bout de l'idée, vous n'avez plus qu'à qu trouver la suite de l'idée. Euh, par exemple, le mercredi, je me dis, je parle de livres, bah de quel livre je vais choisir Je vais même pas avoir besoin de choisir, quelle est ma grande thématique, etc. Et je peux je pourrais même d'ailleurs hein, vraiment si je voulais on pourrait dire je pourrais m'amuser à faire tous les épisodes de livres un mois je pourrais dire ben, tiens je sais à l'avance que mercredi prochain je parler de tel livre que mercredi suivant de tel livre etc on pourrait on pourrait imaginer parce que je sais que certains le font hein, même dire ben je fais euh, par exemple euh, deux trois quatre cinq six sept épisodes du mercredi euh, tous euh, les uns derrière les autres et comme ça je n'ai pas à m'en occuper, le mercredi je sais que j'ai déjà mes épisodes de livres, on pourrait fonctionner comme ça, moi personnellement j'aime pas ça parce que ça manque de spontanéité, ça manque de réaction et je dis souvent en formation en coaching auprès de quatre entreprises ou petites structures qui manquent de temps que bloquer une demi-journée est la solution la plus efficace pour eux, ils peuvent programmer une semaine de contenu sur les réseaux sociaux, se délester l'esprit, mais qu'en fait ils ne doivent pas perdre la spontanéité, ce que j'appelle la magie du quotidien. aussi. la magie du quotidien, ce sont les petits moments vécus, petits messages reçus, des choses vues dans la rue, euh, des petites euh, des mots, des choses comme ça, des choses qu'on lit, des, des, des idées qui nous viennent. Des fois on a des idées, elles sont, elles sont on dit il faut que je la partage maintenant, je l'ai vécu maintenant. Il y a plein de choses. Par exemple mon téléphone est rempli de photos, je me dis oh ce serait bien ces photos pour plus tard, etc. Mais en fait. Euh, si, je euh, j'utilise pas sur l'instant, et eh ben, quelque part, je perds aussi l'émotion qu'il y avait dedans, je perds le sentiment qu'il y avait dedans. Vous voyez, ma photo d'hier quand je vais courir le matin, je euh, je peux pas la mettre aujourd'hui parce que hier, elle correspondait au moment où j'étais bien dans mes champs de blé à hein, courir à 5h30 du matin, c'est entre 5h30 et 6h et 7h du matin, et que aujourd'hui, elle colle pas du tout, et ça colle pas parce que, euh, je suis, euh, c'est pas mon actualité du jour, parce que je suis parti dans autre chose, etc., et que, euh, je pourrais toujours la reprendre, que les conseils que je donne ils sont bons et je pourrais les programmer très longtemps à l'avance mais en fait euh, c'est des conseils sur comment courir euh, à jeun surtout quand il fait chaud etc, mais pourquoi je l'ai mis ce jour là bah, parce que ça se collait aussi au fait qu'il y a plus de gens qui essayent de courir tôt le matin hier c'était la première fois par exemple que je croisais des gens à euh, 5h30 du matin sur les chemins au dessus de la maison vous voyez des choses en train de courir, c'est la première fois que je croisais des gens aussi tôt le matin, donc vous voyez ça par exemple euh, si je le raconte, euh, si je veux le raconter sur Instagram, je peux pas le programmer à l'avance. Il y a des choses que je peux pas programmer comme ça à l'avance. Et euh, c'est la, il en est même pour tout ce qui est réactu, réaction à l'actualité. Donc autant qu'il fait, etc. Euh, vous pouvez anticiper les choses de newsjacking, par exemple euh, des événements prévus. Hein, euh, vous pouvez anticiper euh, la et encore, je vous dis ça même pas. J'aurais dit vous pouvez anticiper la finale de la coupe du monde féminine de foot, mais non parce que vous pouvez pas savoir quelles sont les équipes dedans. Vous pouvez dire bah, ce jour-là, je sais qu'il y a la finale de la coupe du monde féminine de foot, euh, je pourrais faire un article ou un podcast sur le sujet du football euh, joué euh, comme ça, etc. Ce que j'ai ressenti en regardant les matchs, etc. Mais en fait vous n'avez aucune idée parce que c'est ce soir de toute que la France joue en quart de finale. Vous n'avez aucune idée de savoir quelles seront les équipes en finale, si c'est la France ou quoi que ce soit. Vous pouvez espérer des choses, mais vous pouvez pas dans tous les cas le programme est à l'avance donc à un moment donné vous êtes obligé de rester aussi dans la spontanéité par rapport à votre calendrier par rapport à l'événement par rapport à ce que vous êtes etc sinon finalement bah, vous ressemblez ben, moi, je trouve à des robots. Et quand je vois ces comptes-là, et quand je regarde les comptes de personnes que je vois pratiquer ça et comment ils le font, j'ai juste l'impression que je pourrais aller n'importe quel jour sur leur compte. De toute façon, c'est exactement toujours la même chose. Et au final, d'ailleurs, il se passe un truc, c'est que j'ai le sentiment qu'on finit par ne plus vraiment regarder, ni plus vraiment lire ce qu'ils font. Euh, on se dit bah oui, je sais à peu près de, de ce qu'elle va me raconter, puisque quelque part c'est toujours toujours la même chose, c'est toujours calqué sur les mêmes structures, exactement les mêmes choses, et donc je trouve que l'on perd le côté humain des choses. Ça c'est ma vision des choses. J'aimerais bien avoir votre vision des choses à vous aussi. Donc, si vous avez un avis là-dessus, bah, n'hésitez pas à réagir, à mettre un message, par exemple, sur Twitter, à venir en discuter sur les réseaux sociaux ou sur le même le groupe Facebook du club des créateurs de contenu. Dites-moi vous donc comment vous voyez les choses, comment vous les envisagez euh, et comment euh, comment vous pratiquez tout simplement. Est-ce que vous programmez le à l'avance, etc. Est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous, vous y arrivez, est-ce que vous voyez l'intérêt mais n'y arrivez pas. Dites-moi vous comment vous voyez les choses. Euh, on discute de tout ça et moi je vous souhaite à tous une très très belle journée et un très très bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs